tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, abonne-toi. Mais n'oublie pas la clochette des notifications pour être au courant des dernières vidéos. Allez, merci d'avance. Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes sur Forza Horizon 4. J'espère que tout le monde va bien. Moi, j'ai fort été absent de YouTube ces derniers temps. Parce que voilà, avec le corona, c'est pas facile. Mais me revoilà, c'est le principal. Présenter ce vieux combi Volkswagen. On va aller à Hambourg pour vous présenter dans mon château. On va aller là. C'est un peu... 400 mètres, tournez à droite. C'est un peu poussif, mais c'est ça les vieux ancêtres. Que cette petite balade sur Forza Horizon vous plaira. Mais moi, je suis content d'être parmi vous, de revenir parmi vous. Mais j'avais plus l'inspiration pour vous faire de vidéos. Prenez la deuxième sortie. La deuxième sortie. Conduis désormais comme moi. Je suis un papy. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est un... À 400 mètres, tournez à droite. Au niveau des voitures, des véhicules, ça va de la Méhari au vieux combi Volkswagen. C'est très varié. Ne conduisez pas comme moi dans la vraie vie, sinon si ça vous plaît. Tous les véhicules. Prenez le virage serré à gauche. Peut y avoir dans deux. Parce que c'est très varié.
Et voilà, vous pouvez apercevoir ma demeure dans pas mal. Je vais vous présenter l'extérieur. Est-ce qu'on peut ouvrir là? Vous pouvez le voir, le moteur est à l'arrière dans ce véhicule. On va pouvoir ouvrir. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur est très rustique. C'était le Volkswagen P1. Ancienne camionnette avant d'avoir la Volkswagen Crafter. Qu'on avait volé dans le zoo, c'était une Ford Transit. Alors, faut que je la trouve. Vous voyez la variété de voitures, c'est dingue ce qu'il y a comme voiture. Elle est là, je l'avais pas vue. Voilà ce que j'avais avant d'avoir la Crafter. Mais moi en combi, elle n'était pas enfermée comme ça, moi. Voilà le moteur. Et voilà le coffre. Voilà. On va et vous voyez la cabine, c'était la même, c'était vraiment au niveau détail. Ceux qui aiment les bagnoles, je vous le conseille, parce que au niveau détail des voitures, je vous le conseille. On sort de saison, donc on va être en automne. Ça, c'était le côté un peu... C'était mon côté nostalgique de cette Ford Transit. C'est pour ça que je voulais montrer, mais... Oh non, tiens, on va prendre la Bart. J'ai fait un essai d'une Abarth sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller le retrouver. Biposto. Là, c'est la Biposto qu'on a. Donc, le modèle pré-fort de d'Abarth. Le modèle qui va le plus fort, donc ça c'est pas le modèle le plus, si c'est le modèle le plus sportif, mais celui que j'ai essayé c'était le modèle en dessous de celle-là, je pense. C'était waouh, celui-là je l'ai pas vu, et lui est bourré d'or. Celui-là, je ne l'ai pas vu non plus arriver. Je vous ai dit, hein, ne conduisez jamais comme moi. Ah.
j'adore le bruit de cette voiture. C'est vraiment... C'est vraiment un beau bruit. Elle va vite aussi, mais... Là, je suis au clavier, donc c'est un peu compliqué. Une vidéo que je vous ferai parce que pour ceux qui ne le savaient pas, eh ben, j'ai en ma possession un volant gaming mais il ne va pas bien avec ce jeu-ci alors je ne l'ai pas mis, mais je pourrais vous faire des petits trucs avec le volant sur Euro Truck Simulator 2 si ça vous fait plaisir. Dites-moi ça dans les commentaires si vous en voulez du gaming ou pas. Je voulais vous présenter cette petite merveille de Ferrari avant de vous quitter. Ne me demandez pas le modèle, je ne le sais pas. Mais c'est un beau modèle qui va très vite. Je vais quand même arrêter. Et moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est conseiller à des gens, je le ferai sans hésitation. Comme ça, vous savez que vous pouvez laisser les yeux fermés, ça ne... dans les bois. Et on va aller faire un peu de tout terrain en Ferrari. Le virage serré à droite. Elle a tournez à droite. J'ai trouvé les bois. À droite. J'aime bien le bruit des voitures. Oh. J'aime bien le bruit des voitures aussi. Dans certains jeux, le bruit des voitures est pas bien.
Alors qu'ici, le bruit des voitures est très bien fait. Donc oui, je le conseillerais. Vous voyez, même en Ferrari, on y arrive. Allez, dans les bois. C'est pas la voiture électrique. Ça fait. Une voix qu'elle est lancée. Technique. Et voilà, je vais clôturer la vidéo ici. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à m'inviter.